Judy. Ouais, salut, ça va? Ouais, oui, il me quitte à 2h, 2-3h du mat, se couche, se lève, se me rejoint jusqu'à 2-3h du mat. Jusqu'ici, tout allait bien, mais maintenant c'est une ombre accompagne Willy, ainsi que son rire démoniaque, et ça, c'est dur. Ah, tu as du mal avec Céline, ce que je vois? Un rire démoniaque, mort de rire, et en plus, elle a été censée se barrer, la gendarmerie, finalement, le reste, t'as pas de bol. Je suis dégoûté, mais ils s'occupent, pourvu qu'ils me font pas de gosse, ils risqueraient de l'abandonner. Oh, mais t'es dur, putain, on m'a vu comme je sais partir, je le sens bien, le gosse, comme je sais partir, je le sens bien, le gosse. C'est spécial, au début, ça allait encore, mais quand il parle, il donne raison, et quand il adhère, c'est fatigant, il sent encore comme au début de la relation. Ce qui craint, c'est que ça va finir par détruire votre amitié. Où il la choisira toujours. J'ai l'impression que votre relation se refroidit drôlement là. Quelle vie de merde. VDM. Quelle vie de merde. VDM. Oh, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. On a l'impression qu'ils existent plus l'un pour l'autre. Et c'est comme ça depuis le début. Moi, je suis ma sous les vite. Et rester avec Will et quitter ses objectifs, ses périls, ils ont l'impression de se porter vers le haut. Et qu'en réalité, c'est tout le contraire. Ils oublient plus, ils oublient. Et elle, plus qu'ils... Elle, au lieu de l'aider, reste fume, pèse. Et demain, c'est la même. Surtout Willy, il a que les plumes et quelques-unes sur la peau. Et l'autre, elle les utilise pour faire son duvet. Ça fait des années que j'essaie de l'encourager à se relever solo. Et y'a pas d'autre moyen que le mec, il glande avec elle. Faudra lui dire que les années 70, c'est fini. Amour aux fraîches, la rivière vite infectée de pesticides. Vive la misère à deux. C'est comme se renvoyer le bébé Triso dans les bras. Bon courage, pas d'enfant, por favor Dios, por favor. Ouais, elle a quitté. Elle a déjà quitté une fois. Ouais, c'est du fils de ta croix. Au sérieux mince, c'est du potin, je le savais pas. Au sérieux mince, c'est alors du potin. Alors j'étais content qu'elle se casse. Les voisins, oui, lui aussi d'ailleurs. Ah bon, c'est vraiment destructeur. Moi qui pensais avoir le monopole des relations destructrices. LOL. Remarque, l'avantage, c'est que personne quand je vois ça. Ben d'un coup je me sens bien envahi. Ah oui, t'as trop le feu, jamais. Je t'ai pas suivi là, lol. Oh, jamais. Je t'ai pas suivi là. Ah, écoute-moi, j'apprends des choses. En tout cas, je suis ok avec toi. Donc, y'a tout bon.